Je suis vraiment content d'être là ce matin. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez quoi? Là, vous avez entendu, mais qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez mes mots? Je suis vraiment content d'être là ce matin. Mais qu'est-ce que vous comprenez? Plus ou moins, hein? Ça n'a pas de l'air trop... Je suis vraiment content d'être là ce matin. Mon intention, c'est quoi? C'est de vous faire comprendre que je ne suis pas content d'être là. Avez-vous compris ça? Avez-vous entendu ça? Et moi, je pense que l'intention, c'est la source de notre communication, c'est la source de nos actions. Ce n'est pas toujours conscient. Mais si on veut voir qu'est-ce que ça produit, l'intention, on a besoin de regarder les résultats qu'on produit. Qu'est-ce qu'on a dans notre vie? Puis regardez, c'est quoi mon intention qui était derrière ça? Et l'intention, je ne m'étais jamais penché vraiment à réfléchir, à faire une conférence sur l'intention. J'en fais sur bien des choses, mais pas sur l'intention. Et en réfléchissant à l'intention, tout d'abord, je regardais, l'intention, c'est une création. Quand vous avez l'intention de quelque chose, vous dites « j'ai l'intention de… » Avant ça, il n'y avait pas ça. Avant que vous dites « j'ai l'intention d'aller à Old Orchard en vacances », tu viens de créer ça. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une création, ça vient de votre volonté de dire « c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est une intention ». On va regarder que l'intention sans geste, ce n'est pas très utile, mais néanmoins, ça prend l'intention au départ pour nous mettre dans l'action. Et souvent, on n'est pas clair sur nos intentions, c'est-à-dire, quelle était mon intention? Et si vous commencez à réfléchir à l'intention, puis vous regardez, ou comment vous agissez, ou comment d'autres agissent, des fois, on se dit, c'est quoi son intention? Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? C'est quoi son intention? On voit les actions, mais on cherche derrière, c'est quoi la motivation? C'est quoi qui me motive là-dedans? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me donne le goût de me mettre en action pour ça? Et donc, ce que je veux voir avec vous dans les 20 minutes qu'on a à peu près ensemble, c'est la puissance de l'intention. Parce que c'est la source de votre action, c'est la source de votre communication, la source de votre parole. Et la parole, quand on regarde, c'est ça qui détermine qu'est-ce qu'on fait. Elle n'est pas toujours parole verbale, là, mais votre parole même intérieure, il faut que tu penses « je veux me lever pour te lever ». On ne le voit pas, ça vient comme ça, mais il y a quelque chose qui, à l'origine, fait que je veux faire quelque chose, j'ai une intention. J'ai une intention d'aller manger, j'ai une intention de la marier. C'est peut-être son chum, là, mais c'est, on déclare quelque chose. On dit d'ailleurs une déclaration d'intention. Et donc, l'intention, ça a vraiment beaucoup de puissance. Et comme c'est une création, ça vient vraiment de nous. Il n'y a rien extérieur qui peut déterminer ça ou pas ça, c'est votre choix. Donc, c'est un engagement de l'esprit qui nous amène à faire quelque chose. C'est là que ça devient des fois un petit peu plus difficile. Si c'était seulement d'avoir l'intention de faire quelque chose qui garantissait qu'on va avoir cette chose-là, j'ai l'intention d'avoir une promotion. C'est le fun, mais si tu restes couché sur ton sofa, pas sûr. Hein? Donc, il faut que tu te mettes en action. J'ai besoin d'un volontaire. Ça va être vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Tenez ça. Alors, l'intention, le mot intention, en travaillant là-dessus, j'ai regardé, c'est quoi la racine du mot intention? Ça vient du latin intentio. On l'entend, hein? Intention, tendre vers quelque chose. Et donc, si mon intention, c'est, je ne sais pas moi, d'avoir une nouvelle job, c'est ça mon intention. Donc, je la garde de même. Fait que je mets de la tension sur ça. Tension. Tant que on a des petites coupures de son, je ne sais pas si c'est... Gardez l'attention là-dessus, vous. C'est ça, votre job. Alors, tant que j'ai de l'attention là-dessus, je reste en action. Et donc, j'avance. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans la vie souvent quand on a une intention? Qu'est-ce qui arrive? Un empêchement, un obstacle. La vie arrive, et là, tu as quelque chose qui vient soit couper ta corde ou soit te l'enlever, vouloir te l'enlever des mains. Exactement. Et là, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on dit « ah! » C'est trop dur, je ne le savais pas, je ne pensais pas. Et là, notre intention, on laisse aller celle-là, et là, on a une autre intention qui est celle, souvent inconsciente, merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir, bel job. On change notre intention, et là, je commence à démontrer que je ne suis pas capable. Mon intention, et là, ça devient souvent inconscient, je vais montrer, regarde, ah ouais, on sait bien, c'est rien qu'à moi que ça arrive, ça. Alors, je voulais faire ça, mais tu sais, il est arrivé ça, puis je n'ai pas été capable. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, là, c'est mon boss, il ne voulait pas. Là, pis... Et donc, ce n'est plus moi, je n'ai plus le contrôle, je la donne à l'intention de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que j'abdique mon pouvoir en disant « Ah, je n'ai plus le contrôle là-dessus, c'est plus moi. » Mais c'est pas plus moi, j'ai laissé aller mon intention, j'ai laissé aller l'attention. J'ai arrêté d'avoir l'intention et je me suis mis à
dire pourquoi je ne pouvais pas l'avoir. Et donc, mon intention, à ce moment-là, devient quoi? De justifier pourquoi je ne peux pas l'avoir. Mon intention, c'est de dire, Bergan, on sait bien, il est arrivé ça. Et donc, je communique dans mon intention que je suis une victime, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas de pouvoir, que je n'ai pas de force, que je n'ai pas de ce qu'il faut pour faire arriver des affaires dans ma vie. On a toutes ces choses-là. On se demande pourquoi on n'a pas les vies qu'on veut. Mais moi, je dis, regardons ce qu'on a comme résultat, puis quelle était notre intention. Mon intention, c'est je ne peux pas être meilleur que mon père. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça de façon consciente. Mais si dans mon intérieur, je me dis, moi, je ne peux pas être meilleur que mon père, je vais démontrer ça dans ma vie. Mon intention, c'est de montrer que je ne peux pas être meilleur que mon père. Je vous donne un exemple, mais mon intention, c'est de montrer que je ne peux pas réussir. Mon intention, c'est de montrer que je suis faible. Mon intention, c'est de montrer que je suis une victime. Mon intention, c'est de montrer que le monde est plus fort que moi. Je ne le dis pas, ça. Personne ne dit ça comme ça, évidemment. Et si tu leur dis, des fois, ils vont dire, non, c'est pas ça. Ben non, regarde, je voulais le faire. Mais c'est ça ton intention. Tu démontres le résultat que tu as. C'est une démonstration de ton intention. C'est pour ça que je dis l'intention est vraiment puissante. Et ce qu'on a comme capacité, nous les humains, c'est de créer continuellement cette intention-là, de la remettre quand j'ai un obstacle, de la remettre en vie. C'est une création. Il n'y a rien qui... C'est complètement nous autres qui le faisons, ça, d'une façon ou de l'autre. Le futur, là, êtes-vous d'accord avec moi, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas, le futur. Il n'est pas là, là. Ce qui va arriver dans 5 minutes ici, là, on n'en a aucune idée. Va-tu passer un camion qui va faire du bruit? Va-tu tomber de pièces d'avion? Aucune idée. On ne sait pas, ça. Puis le passé, ben, c'est un souvenir de ce qui est arrivé. Ça n'existe plus. Ça existe dans notre souvenir, mais ça n'existe plus. La seule chose qu'il y a, c'est le moment présent. Je vous apprends rien là-dessus, je pense que ce n'est pas la grosse philosophie, mais c'est dans ce moment présent-là qu'on crée le futur. Quand je dis « j'ai l'intention de », puis que je continue à dire « j'ai l'intention de », mais tu finis par avoir le futur qui est le présent à ce moment-là de résultat que tu as voulu faire. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, puis qu'on n'a pas d'obstacle, puis qu'il n'y a pas de changement de plan. C'est évidemment, je n'ai pas nono, là. Mais l'intention, c'est la force qui peut diriger nos actions envers ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, j'ai l'intention de gagner à la loterie. J'ai vraiment l'intention d'être ça. Ouais. Correct. Hein? J'ai l'intention d'avoir un accident. Dis pas ça. Pourquoi? Pourquoi si j'ai l'intention d'avoir un accident, vous me dites, dis pas ça. Mais j'ai l'intention de gagner la loterie, sur voyons donc, tu rêves. Pourquoi? Pourquoi que un, vous dites, dis pas ça, ça va arriver. J'ai l'intention d'avoir un accident. Tu sais, t'es fou, là. Voyons, t'es malade, dis pas ça, ça va t'arriver. J'ai l'intention de gagner la loterie. J'ai l'intention de doubler mon salaire. J'ai l'intention de faire un voyage de rêve. Bon, tu rêves, voyons, écoute, tu sais bien que t'as déjà essayé, ça n'a jamais marché. Et là, on retombe dans le « non, ça ne sert à rien, je ne suis pas capable, je suis une victime, etc. » Et donc, l'intention, quand on la regarde, on l'a au quotidien dans nos vies, toujours. Quand vous conduisez votre voiture, vous signalez votre intention aux gens autour de vous. Tu mets ton clignotant à gauche puis à droite. Tu sais, des fois, c'est quelqu'un qui ne met pas son clignotant, tu te dis « voyons, qu'est-ce que tu fais? » Parce qu'il ne te signale pas tes intentions, tu ne dis pas aux autres « qu'est-ce que je veux faire? » Mais quand vous communiquez votre intention aux personnes, vous dites aux autres « voilà ce que je veux faire. » Et là, les autres, de façon générale, « OK, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, c'est correct. » Mais c'est vrai aussi dans nos vies. C'est juste que quand on a des obstacles ou des choses qui nous empêchent, si on abdique, bien là, on ne l'a plus. On a laissé aller la corde, puis là, on se dit, bien, j'ai pas pu, j'ai pas réussi, j'ai pas... Encore une fois, je comprends que des fois, des choses arrivent, puis que c'est pas possible. Mais à ce moment-là, c'est un choix que vous faites de laisser aller volontairement en disant, écoute, je voulais devenir danseur de ballet, mais là, je suis rendu, j'ai 60 ans, c'est plus le temps, là, je l'ai raté ce temps-là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. OK, ça se peut, mais là, c'est parce que là, c'est plus mon intention. C'est volontairement plus mon intention. Mais si votre intention reste volontaire, c'est-à-dire que vous restez engagé, c'est ça la difficulté, c'est de rester engagé à son engagement. Est-ce qu'il y en a qui ont arrêté de fumer ici? Vous avez commencé. Jamais commencé, c'est encore mieux. Mais on sait, la plupart, moi, je suis un ancien fumeur, la plupart des fumeurs, dire que j'arrête de fumer, hein, relativement facile. Rester engagé à l'engagement d'arrêter de fumer, ça, c'est plus difficile. Rester engagé à son engagement, ça, c'est exigeant. Et c'est vrai quand on veut faire arriver quelque chose qui semble tirer de nulle part, parce que, c'est encore une fois, c'est une création que vous, en tant que personne, vous avez dit, j'ai l'intention de. Je vais vous donner un exemple un petit peu, qui peut sembler un peu farfelu, mais ça marche. Je voyage beaucoup dans des villes comme Paris, par exemple. Ça peut être difficile de trouver du stationnement. Je suis avec une collègue, on s'en va dans un endroit. Elle me dit en voiture, on est à 20 minutes d'arrivée.
on n'aura jamais de stationnement, ça va être impossible. Et là, il y a toute une histoire de 5 minutes, que ça, on n'aura pas de parking. T'sais? Le parking, pardon. Et j'ai dit, elle s'appelle Cécile. J'ai dit, mais Cécile, comment tu sais ça? Elle dit, parce qu'il n'y en a jamais. J'ai dit, mais comment tu sais qu'il n'y en aura pas cette fois-là? Mais là, elle me regarde en disant, Justin, il n'y en a jamais. Mais où elle regarde pour me dire ça? À quel moment dans le temps elle regarde pour me dire ça? Dans le passé? Là, elle est en train de créer le futur à partir du passé, en me disant, il n'y a jamais d'espace de stationnement, donc il n'y en aura pas. Donc, au moment présent, elle dit, il n'y en aura pas. Donc, forcément, ce qu'elle fait en conduisant, c'est de regarder et de justifier, il n'y a pas d'espace de stationnement. Tu vois, je te l'avais dit. Et moi, je dis, non, on va en trouver un exactement où est-ce qu'on veut aller. Et comme de fait, on arrive devant la porte où on veut stationner et il y a un espace qui est là. Elle me regarde, ouais, un coup de chance. T'sais. Mais ça m'arrive très, très, très souvent, ça. Je pars de chez moi en disant, je veux une place de stationnement à tel endroit. C'est une intention. Vous allez me dire, écoute, là, c'est-tu de la magie, ça? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je n'essaie pas de justifier pourquoi quelque chose n'arrive pas. J'aime mieux faire arriver quelque chose que je veux, pas quelque chose que je ne veux pas. Et ça, dans nos vies, souvent on fait ça, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Je ne veux pas qu'il m'arrive ça, ça serait plate, ça. Alors qu'on a la possibilité de faire arriver ce qu'on veut qu'il arrive. Et ça, c'est un choix qu'on a, salut Minou. C'est un choix qu'on a. Tu sais, quand je vous disais qu'on ne sait pas ce qui va arriver, dans un exemple, là, qui m'aurait dit il y a 3 minutes qu'un chat allait passer? Personne. Et donc, et peut-être là-dessus, je vais vous laisser, je ne sais pas où on est, Jean-Nicolas, on est à peu près dans, on est dans le bon timing, pas pire. On est bon. C'est la possibilité qu'on a en tant qu'individu d'avoir la vie qu'on veut. Et c'est vrai dans nos jobs, c'est vrai dans nos mariages, c'est vrai dans nos activités. On a cette capacité-là. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré ça, c'est un choix qu'on fait de comment je suis. Je travaille beaucoup avec des non-voyants, moi, des personnes aveugles. Et la plupart me disent tout, sauf ceux qui sont nés non-voyants, qu'à un moment donné, quand ils ont accepté ça, leur vie s'est transformée de façon, ils le disent eux-mêmes, beaucoup plus puissante qu'avant. Ils disent, il y en a une qui m'a dit dernièrement, elle dit, Justin, je ne voyais pas avant. Je ne voyais pas la richesse de la vie, je ne voyais pas la qualité de la vie, je ne voyais pas les possibilités de la vie. Elle dit, je trouve pas ça le fun d'être aveugle. Mais elle s'appelle Claudia. Elle dit, je ne dis pas que c'est le fun d'être aveugle, mais je vis une vie beaucoup plus riche qu'avant. Parce que j'accepte et je me sers de ça pour me propulser dans la vie. Et son intention, c'est exactement ça, c'est de dire comment je me sers de mon handicap, pas avoir la vue, pour avoir la vie que je veux. Elle n'est pas contente d'être aveugle. Elle ne dit pas ça, elle ne dit pas, hey, c'est un choix que j'ai fait. Non, pas du tout. C'est la vie, il arrive des choses. Malheureuse, ça arrive. Mais et la plupart des non-voyants nous disent ça. Une fois que j'ai choisi, OK, c'est ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu mets ton intention sur comment j'utilise ça. Qu'est-ce que je fais avec? Où je vais avec ça? C'est comment je transforme ça en force? Et ça, c'est vrai dans nos vies, peu importe ce que vous faites. Vous avez ce pouvoir-là en vous autres. C'est une création, encore une fois. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ça. C'est vrai dans vos jobs, c'est vrai dans vos vies, c'est vrai dans vos univers. Les humains, on abdique notre pouvoir. On l'abdique, on le donne aux circonstances, on le donne à d'autres choses. Et quand on dit, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, j'ai l'intention d'avoir un accident, vous dites, hey, ça, dis pas ça, c'est puissant, ça. Ça va t'arriver. Mais si je dis quelque chose de bien, ben, regarde, bonne chance. C'est comme dire, les bonnes affaires, ça, tu ne peux pas les avoir, mais les mauvaises, fais attention, si tu le dis, ça va arriver. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'on est habitué à laisser aller quand quelque chose arrive en disant, mais regarde, tu vois, c'était difficile, fait que je n'ai pas été capable, j'ai laissé faire. Et donc, on se convainc qu'on n'a pas de puissance. Mais c'est pas vrai. C'est parce qu'on a arrêté de le voir. Quand ça arrête de marcher, quand tu arrêtes de le faire marcher, il y a toujours des autres pistes. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Nature humaine » dans lequel... J'utilise des métaphores de la nature pour illustrer des comportements humains. Il y en a un qui est l'avalanche. C'est une analogie de l'avalanche. Et si vous regardez une avalanche ou une montagne avant qu'une avalanche se déclenche, qu'est-ce que vous voyez sur la montagne? De la neige. Bien de la neige. À moins d'être un expert là, qui est capable de déceler des signes, là, vous n'avez aucune idée qu'une avalanche va se déclencher. Mais il suffit d'un petit changement, d'un petit changement de température, un peu de neige qui tombe, un skieur qui passe, un bruit. Et une avalanche se déclenche 700 km/h, une avalanche qui descend de montagne, là, ça détruit tout. Là. Mais je pense que dans nos vies, c'est aussi souvent un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des choses, puis à un moment donné, on arrête. Parce que c'était dur, parce qu'on ne savait pas de l'air à marcher, parce qu'on abdique. Pas parce qu'on veut, mais parce qu'on dit « ça ne sert à rien ». Pas ma volonté. C'est des circonstances externes qui me font dire « je ne suis pas capable ». Pas que je pense que je ne suis pas capable, mais je regarde l'externe et je me dis « je ne suis pas capable ». Et j'arrête. Mais est-ce qu'on sait, comme une avalanche, que le prochain téléphone que j'aurais fait, la prochaine rencontre que j'aurais eue, le prochain contact, la prochaine lecture, le prochain téléphone n'aurait pas été celui qui, comme l'avalanche,
fait déclencher toute la chose. Et souvent, on ne sait pas. Alors, je dis, dans vos vies, tant que vous n'êtes pas arrivé à l'endroit où tu peux dire consciemment, en te regardant dans le miroir, j'ai vraiment tout fait ce que je voulais. J'ai vraiment amené mon intention le plus loin possible. Je voulais la marier, là, ou le marier, là, puis il ne m'aime pas. Écoute, 5 ans, ben ça, c'est pas grave. On l'a vu plusieurs fois, même s'il est déjà marié, ça change. On le sait, ça. Mais c'est vrai. Je veux dire, il y a plein d'affaires qu'on dit que c'est pas possible, puis regardons ça arrive. Ça en est un exemple, ça. Je n'ai pas l'intention de vous marier, là, ça. Ben peut-être. Mais sérieusement, blague à part, ce que je veux dire, c'est que il est possible, et c'est vrai dans la vie, qu'il arrive des choses, on dit OK, ça ne marchera pas. Mais que si je peux me regarder dans le miroir en disant j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais faire et que consciemment, je dis OK, ça, j'arrête, il est trop tard, je ne deviendrai pas astronaute. Ça n'arrivera pas. C'est un rêve que j'avais, ça n'arrivera pas. Correct. Laisse aller. Mais si tu penses que peut-être qu'il y aurait encore une chance que je n'ai pas essayé ça et que tu restes engagé avec notre corde sur ton intention pour trouver c'est quoi la prochaine étape, tu gardes la tension, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est la tension entre ce que je veux faire. Et ça, ça me garde en action. Mais si je la lâche, il n'y a plus rien, je viens de donner le pouvoir à la chose externe qui m'empêchait d'avoir. C'est ça que je voulais vous partager ce matin, c'est la puissance qu'on a comme individu, puis je vous souhaite de l'apprendre, puis de l'amener où vous pouvez l'amener. Merci.